Yo les gars, ça roule quoi? On va se fighter en ligne les gars. Boom. Allez, c'est parti. Qui joue le show avec moi? Hein? On va voir, hein. Je prends David Dave, mon gars. Versus K. Bah allez, il prend un gars avec 95 de général. Vraiment des cheaters qui vont te spammer des uppercuts droits. N'importe quoi. Je voulais vous faire un championnat avec Tommy. Comment il s'appelle déjà? Merde, fais chier. Tommy Wilson, je crois. Yeah? Non, c'est Tommy Morrison, pardon. J'étais en train d'emberger autre chose alors. Alors, forcément. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, Jean-Claude et moi-même, pour ce combat. Donc, Tommy Morrison, mon gars. Bien sûr. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Allez, les gars. Allez, encore. Uppercut, mon gars. Vas-y David, mon plus c'est qui le boss? C'est discutable, car pour mettre l'adversaire en jeu de combat, c'est d'abord le toucher, le plus touché. Bah ça va lui, il spamme pas trop. Ah ouais, mais j'avais plus d'endurance. Faut faire attention à sa jauge d'endurance, parce que plus elle est basse, bah on va baisser le son. Plus ta jauge d'endurance est basse, plus t'as de chance de te faire. En fait, tu encaisses moins les coups, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? J'avais le compte à rebours ou pas? Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Bah j'ai dû oublier, il a dû décompter et comme je vous parlais, bah j'ai pas fait la relève. Pas grave, on va en faire un autre. En tous les cas, dans Fight Night, je voulais vous montrer le jeu et je voulais vous dire que c'est un jeu où l'endurance est très importante. Très importante. Du fait que si vous avez plus d'endurance, vous êtes mort quoi. Vous pouvez plus enchaîner les coups, vous pouvez plus encaisser les coups, vous supportez plus rien quoi. Du coup, bah vous êtes obligé de. Quand t'as plus d'endurance, t'es mort quoi. C'est. Au niveau de l'endurance, il est très réaliste, mais par contre, au niveau de la santé, faudra repasser. Parce que quand je vois qu'il y en a qui se mangent 50 uppercuts avec des crochets, et qui se mangent pas un KO parce qu'il a tout mis en. Au juge d'endurance. C'est ça qui est un petit peu dommage quoi. Sac mais bah parce que je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit yeah, fight cock parce que je lui ai mis un coup dans les boules. Parce que tu peux mettre des coups bas, des coups dans la ceinture, et tu peux mettre des coups de tête aussi à la Tyson. Donc il a dit ça, yeah, sec me quoi, sec hate. Mais je voulais vous faire avec du Tommy Morrison, mais bon, ce sera pour plus tard parce que c'est en mode carrière. Morrison fait en mode carrière et c'est pas en mode en ligne. Mais là je suis en train de me faire plaisir, je me suis dit, ouais, c'est faire des combats en ligne tranquillement. Voilà, simplement. Mais en ligne, le combat est quand même assez. Le niveau est assez haut. Malgré qu'ils prennent des gros joueurs avec des grosses frappes. Comme moi, là, j'ai pris un bon boxeur avec 93 général, Roy Jones Junior.
En tous les cas, c'est chaud. Ils rigolent pas, les gars, en face. Hein. Là, j'ai fait 5-6 combats d'affilée, 5 KO que je me suis mangé. Le niveau, il est violent, mais il n'y a pas d'excuse. Même s'ils ont les plus gros ou les plus faibles joueurs, ils me mettent KO quand même. Après, il y en a qui spamment un peu trop les mêmes coups. Voilà, quoi. Ils profitent de la faiblesse de l'adversaire pour spammer des coups qu'il ne faut pas. Mais bon, en ligne, il y aura toujours des imprévus. Hein. Enfin, des imprévus, des injustices, plutôt. Allez, fais pas le con. Passe l'intro. Excusez-moi, les gars. Allez, le gros. Tu vas déguster, quoi. Faut faire très attention à sa juge d'endurance. Vous voyez ma juge d'endurance, là? Oh, putain, ça lag. Ça lag un petit peu, là, on dirait. Hein. Le mec, qui doit venir de Costa Rica ou... Il doit avoir une sale connexion. Des petits jobs. Me fait toujours berner. Je dois être trop passif en fait. Genre. Ouais, trop passif. Hein. Mais. Comment ça. En plus, vous avez vu ce qu'il fait? Il enchaîne que des jobs, jobs sur jobs et puis voilà. Ça y est. On enchaîne des jobs, c'est la belle vie. Je vous ai dit, ils enchaînent trop les coups, ils profitent, ils enchaînent toujours les mêmes coups. Allez, moi je fais des petits jobs, des petits crochets, des petits uppercuts. Mais eux, non, ils connaissent un coup, ça y est, un coup. Et ça, c'est pas le premier hein, qui fait. Regardez, il fait toujours le même coup. Fils de Yinche, quoi. Fils de Yinche, tu mérites même pas qu'il joue contre toi. C'est pas ça la beauté du sport, c'est pas ça. Beauté du sport, c'est s'enchaîner, esquiver, garder l'endurance. Ça n'a jamais été de faire les mêmes coups. Non mais les gars, regardez ces combats. Regardez les stats. Il a fait 44... attendez, coups total, jab, direct. 44 direct, quoi. 44 direct. Et moi j'ai fait 0 direct. J'ai fait que des petits jobs. 6 jobs. Il a fait 44 direct. Voilà. Oh là là. En crochet il a fait 0. En uppercut il a fait 0. En compte en puissance il a fait 0. Il a fait que des directs. 44 direct. Moi j'ai fait 6 jobs. 8 crochets gauche. 5 crochets droit. 5 uppercut gauche. 6 uppercut droit. Voilà. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Et lui, il a fait 44 direct. Voilà. Voilà la beauté du sport. Comme je vous ai dit, c'est un jeu où vous avez accès sur du spam. Voilà, on enchaîne les coups, on enchaîne, on fait toujours le même. Et puis on gagne. Alors, on va quand même se faire un dernier petit fight. Parce qu'on va pas rester sur une défaite. Malgré que je pense qu'on va quand même le rester. Parce que le niveau est... À part celui-là où... C'était quand même beaucoup de spam, toujours le même coup. Tommy Morrison, mon gars, le prochain coup, ce sera sûrement du Tommy Morrison. Soit du Tommy Morrison, soit du MXGP. On verra bien. On va reprendre notre petit Roy John Jr., mon petit gars. Parce que, voilà quoi, non mais attendez. Ah, mais Tommy Morrison, mon gars, on va peut-être se le prendre, Tommy Morrison. Allez, 84, lui, il a 90. On s'en fout, on prend quand même. Même s'il est plus haut en stats, on prend quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas des petites bites, nous, tu vois. Les petites bites, elles prennent les joueurs avec le plus grand stats de général et ils enchaînent toujours les mêmes coups. Comme ça, ils sont quasi sûrs de gagner. Et bien sûr, leur jauge d'endurance, ça diminue pas. Il y a des petits doutes. Bref.
Bref, hein. Allez. Allez, les gars. Allez. Cette fois-ci, c'est pour vous. C'est pour vous. Allez, Tommy Morrison, montre-nous c'est qui le boss. Le boss. Le boss ultime. Allez, mais passe-nous l'intro, là. Qu'est-ce qu'ils ont à chier dans la colle? Vas-y, je fais mon café, je discute, je suis sur mon téléphone. Tu es en train de jouer en ligne, là, t'es pas en train de siroter là-haut. Petite merde que tu es. Tommy, vas-y, montre-lui c'est qui le boss. Passe, putain. Incroyable, ça. Je vais voir les gars qui passent pas, putain. Tommy Morrison, qui est mort en 2013, suite à une longue maladie. Il avait chopé le sida, apparemment, avec une seringue ou je ne sais quoi, suite à pas mal de stéroïdes qu'il prenait dans son plus jeune âge. Allez, les gars, hommage, monsieur Tommy Morrison. Regarde, il faisait ça, il enchaînait. J'ai déjà plus d'endurance, putain. Il y a des doutes, hein. Je lui ai mis tout à l'heure, le gars qui m'a envoyé des messages, je lui ai mis des coups dans les couilles, là, comme ça, regardez. Paf. Un coup dans la tête. Un coup dans la... Paf. Voilà, petit temps mort. Histoire de leur montrer que, hein, faut pas spammer dans la vie, oh. Bon, lui, là, quoi, j'ai déjà plus d'endurance? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis le mec, il est passif, hein, il vient pas à moi. Hein. Allez, les gars, bouffe-le, mon gars, bouffe-le! Mais ouais, mais j'ai plus d'endurance rapidos. Et pourquoi tu viens pas à moi? T'as la manette qui est cassée ou quoi? J'ai jamais vu un joueur qui avance pas. Ça veut rien dire du tout. À mon avis, il doit... Ah bah non, quand même. Je me suis dit, c'est soit sa manette elle est morte, soit le joueur, il aime bien faire du sur place. Comme l'aigle royal. Oh, tu m'as mis un coup dans la tête. Mais tu as taille. Faut pas trop le faire, sinon l'arbitre nous enlève des points, voire nous exclut du combat, quoi. Je rappelle, 1,95 d'allonge pour Tommy Morrison. Pour 1,91 de taille. Non, mais... Non, 1,95 en allonge, 1,91 en taille. Non, mais... Je comprends pas, moi. J'ai pas d'endurance. J'ai pas de santé. Bon, lui, ça va, il enchaîne pas toujours les mêmes coups, donc on va dire que c'est pas un combat mal propre. Vous voyez, il va au corps. Moi, si je suis allé au corps, petit à taille. Je rate un petit café à la vôtre. À la vôtre, les gars. J'espère que ça vous fait plaisir, une petite vidéo de fight. Sur du Fight Night Champion, le dernier en date. Qui remonte à 2011. Malheureusement, il n'y a toujours pas de nouvelle licence. L'UFC a pris les devants et voilà quoi. Il n'y a plus de Fight Night qui est à jour. Apparemment, c'est pas prêt de revenir puisque l'UFC a pris les devants en cote de popularité. Donc, bon, bah, on verra. Hein. À voir si je me prends pas un UFC sur PS4 une fois que Mortal Kombat 10 sera sorti. Tous les cas, pour le moment, je m'en sors pas top, hein, pas top du tout. On dirait que j'ai pas d'endurance, j'ai pas de santé.
Peu importe le boxeur que je prends, je me fais laminer. Ah, il m'a mis un coup dans les couilles. Attends, tu veux mettre dans les couilles, Tu vois, là je me fais encore un coup et je me fais disqualifier, tu vois. Il vient de le dire. Donc là, je peux plus mettre des coups dans les couilles, ni dans les couilles, ni dans la tête, tu vois. Ah bah ça c'est malin ça, tu veux me mettre des coups dans le vide. Et voilà. Putain. Ça me saoule. Tout le gars il est sympa hein, parce qu'il aurait pu largement venir à moi et puis me terminer. Hein. Parce que quand t'es sonné, t'as plus de possibilité d'esquiver rapidement et il dit que tu prends un coup, t'encaisses mal. C'est pour ça qu'on est au deuxième round, hein. Sinon je pense qu'au premier round, j'étais cuit. Hein. Je vais être honnête. Ah, il doit avoir une manette qui doit déconner ou je sais pas ce qu'il fait. Peut-être son délire c'est faire du sur place. C'est possible aussi, hein. Ah, j'aime pas, il tape toujours dans le ventre. Hein. Exprès parce que je n'ai pas de garde au ventre. Hein. Ouais, j'ai plus d'endurance, voilà. Je voulais essayer un truc, finalement je me suis fait baiser. Oh là là. Je suis vraiment bidon, il n'y a pas à dire. Bon, encore joueur, j'avoue, il a joué propre. Il est pas venu à moi, il a pas profité pendant que j'étais sonné. Peut-être que, comme j'ai dit plusieurs fois, peut-être qu'il avait un souci de manette. Ou qu'il aimait faire du surplace, je sais pas. Il y a des joueurs hein, qui aiment se rendre la difficulté. Hein. Non, c'est pas ça. Ah là là. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais récupérer ma santé, mon endurance. Dans tous les cas, c'est pas facile. Pas d'endurance, pas de santé. Boum boum. Je crois que je suis cuit là. Après bon, on peut toujours remonter, mais avec le niveau que j'ai, je crois pas que c'est possible. Bon allez, mais passe. Putain, il fait exprès de tout garder là. Ah bah tiens, maintenant il a décidé de bouger. Là. Ah mais je suis mou, il est mou mon joueur. Pas d'endurance, rien. Bon, oh, il est tombé au ralenti mon gars. Tu peux pas faire plus ralenti que ça. Non mais là tu peux pas te relever, ça fait déjà 3 fois. En général, quand tu es sonné 3 fois, tu remontes pas. 2 fois, tu peux, mais 3 fois, chaud. Surtout en 3 rounds de suite. Bon, bah, c'est horrible, j'ai un petit mal de gorge. Je suis cuit, les gars. I'm sorry, I'm not game, not level. Noob Gamer, it's down to 850. Ah oh, putain. Vraiment nul, hein. Je suis un petit peu déçu de proposer. Bon, bah en même temps, hein. En même temps, ça reste une vidéo. Hein. Une vidéo, c'est une vidéo.
Après, je peux pas être champion du monde en faisant 5 games en ligne de suite. Hein. Ça se trouve que c'est des joueurs qui jouent tous les jours. Ou même s'ils y jouent pas tous les jours, de toute façon, j'ai pas un niveau de ouf. Donc, bon, les gars, voilà quoi. Vous avez du Fortnite en ligne. Vous avez vu un peu. Au moins, vous avez pu découvrir ce que c'est un vrai jeu de boxe en ligne. Enfin, pas un vrai jeu de boxe en ligne, un gros jeu de boxe tout court. Parce que pour moi, bon, en même temps, il a aucun concurrent, puisque c'est le seul jeu de boxe anglaise qui existe en jeu de combat. Je parle en termes de simulation. Hein. Donc, ouais, je crois qu'on va se laisser là. Hein. Ça sert à rien de continuer d'enfoncer le couteau dans la plaie alors qu'on sait très bien qu'on va se faire avoir encore. Hein. Ça, c'est sûr. Ok les gars, je vous dis à plus tard, peut-être sur du Fight Night, MXGP, ou sinon, bah, de toute façon, je vous tiendrai informé. Allez, ciao. Je suis nul.